ça fait 6-7 ans qu'elle n'était pas venue. Alors elle est venue chanter une chanson aujourd'hui, mais dans quelques semaines, avec Françoise Coquet, nous lui préparons un spécial, car elle le mérite. Petula Clark, c'est un petit peu tout de même son pays, la France. Hein. Elle est venue chez nous il y a quelques années, elle s'y est plus, elle parle bien français, elle va à Londres, elle va en Suisse, elle va aux États-Unis, elle va un petit peu partout, car ça, elle a la chance de faire une carrière mondiale. Mais là, elle a décidé tout de même de nous faire plaisir et de rechanter un petit peu chez nous. Alors une nouvelle chanson écrite par Lewis Furet, qui est le compagnon de Carole Laure, et par Luc Plamondon, qui est sans doute l'auteur québécois le plus connu. Ça s'appelle Glamoureuse Petula Clark. Petula, l'amoureuse. Petula de retour, enfin. Oui, je suis si heureuse. Parce que Petula continue à travailler, mais chez elle, dans son pays, d'origine, l'Angleterre, les États-Unis, elle est peu venue en France depuis 5 ans parce qu'il n'y avait pas les chansons qui correspondaient à ce qu'elle voulait chanter. C'est ça, oui. C'est aussi simple que ça, d'ailleurs. C'est très difficile à trouver les chansons. J'aime bien celle-là, et puis j'aime la face B aussi, Mr. Orwell. Et je viens de l'enregistrer en anglais, la face B. Bon, on chantera tout ça très bientôt, puisque vous allez revenir, et cette fois, on fera un spécial Petula. Tout va bien, les enfants ont grandi. Il paraît que vous avez un fils qui veut jouer au foot.
Oh, qui joue au foot. Quel âge il a, votre fils? Mais il a 12 ans. Il joue déjà au foot. Alors, le pauvre Claude. Oui, votre mari. Oui, il n'est pas avec moi aujourd'hui parce qu'il est resté en Angleterre pour jouer au foot. Il y a tous les pères de l'école qui doivent jouer les garçons. Et ça doit être quelque chose. Cela dit, vous savez, le football britannique, c'est un football terrible. Hein. S'il est accrocheur comme tous ses illustres prédécesseurs, il va jouer dans le championnat un jour, le championnat anglais. Hein. Il veut être professionnel. Anglais, français, je ne sais pas. Il veut être professionnel. Ça, le problème. Ce serait drôle si un jour, à Paris Saint-Germain ou Racing Paris, quel est son prénom? Patrick Wolf. Patrick Wolf. À quel poste il joue? Ailier droit, avant-centre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, il ne joue pas avec une raquette, c'est bien du foot. Hein. C'est du foot. C'est du foot, très bien. Vous connaissez, vous n'êtes pas venu en France depuis longtemps. Eh bien, monsieur Glandu va vous dire ce qui s'est passé en France depuis 5 ans. Venez, Glandu. Oh là là. Ah ben, dites donc. Alors, oh, monsieur... Madame Clark. Madame Clark. C'est pas comme d'autres à la télé qu'on était à Clark. Vous, au moins, alors... Hein? Vous n'avez pas vu Madame Clark depuis longtemps. On en apprend de belles là-dedans. Bon. J'ai vu votre définition dans le dico de Perel. Ah bon? Vous êtes un Minet, Michel. Oui, alors? Jeune homme à la mode. Exemple, les petits Minets bien langés qui roulaient des mécaniques devant les Minettes à la patinoire d'Auteuil, ça devait être Dany Saval, rentraient souvent chez eux avec Coquette sous le bras. Sous le bras? Oui. Ah bon? Alors moi, si je continue à dire des conneries, je vais être enchetibé. C'est quoi, enchetibé? Emprisonné. Ah bon? Ou encristé. Oui. Arrêté, embarqué, enfin... Très bien. Voilà. Racontez, Glandu, à Pétula, ce qui s'est passé en France depuis 5 ans. Quoi, vous n'êtes pas venu depuis 5 ans? Non, 5-6 ans. Oh! Bah, il s'en est passé, des choses. Ah bon? Mitterrand, vous vous souvenez de Mitterrand? Qui était à 25% dans les sondages. Oui. Marqué, ça y est, il y est retourné, hein. Depuis ce soir, c'est fait, ça y est. Ben, il a été élu président. Ben oui. Et puis, il sait faire limer les croustilles aussi. Alors, pour mieux passer à la télé. Et puis, Chazot danse toujours. Ça, il va s'arrêter à la prochaine guerre, à mon avis. Qu'est-ce qu'on a? On a eu 200 directeurs sur TF1, à peu près, qui ont changé. Et puis, on n'a plus Segui, le leader de la CGT, là. Non. Parce qu'il disait CGT, l'argent par les fenêtres, alors ils en ont pris un autre. C'est Krasuki, maintenant. Vous avez vu la tête à Krasuki? Oui. Il n'est pas fini, ce type-là, c'est pas... hein? Et Roudy, on a Yvette Roudy, qui est votre ministre de tutelle, chargée de la condition féminine. C'est vrai. Oui, oui. Elle a dit, je veux l'égalité des sexes. Pas pour me vanter, mais enfin, pour le mien, elle aura du mal, quand même. Et en tant que ministre, elle a dit, je veux l'égalité des sexes et je prendrai moi-même les mesures. Ah oui? C'est vrai? Remarquez, à mon avis, Rudy, enfant, elle a été bercée trop près du mur. Quelque chose qui va plus, là. Hein? Alors, quoi d'autre? Pétulet est pas venu depuis très longtemps. Bon, c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Non, ça va, ça vient. Je vous dis, la côte s'effondre, la rose est dans les choux. Et savez-vous, Thierry, que lorsque Pétulet était petite fille, elle chantait pour les troupes de son pays? Ah, ben moi aussi, mais moi, j'étais pas petit garçon. Qu'est-ce que vous chantiez? Maréchal, nous voilà. Oui, passons. Oui, bon. Voilà. Bon, et c'est tout ce que vous avez à lui dire à Pétula? Vous pouvez lui demander des nouvelles de son pays, quand même. Ben oui, elle est Madame Thatcher. Nous, on a quelques Thatcher aussi au gouvernement, enfin. Bouchardot, par exemple. Et les Didi aussi. Qui fait la fortune des coiffeurs. Vous avez les Didi aussi, oui. Mm-hmm. Les Didi, elle est bien mignonne, oui. Oui, très. Puis Madame Thatcher, elle arrête pas de s'envoyer en l'air, elle fait la fête. Elle saute, en tout cas. C'est... Voilà. Voilà, les dernières nouvelles. Qu'est-ce que je peux dire? Rien. Bah, de toute façon, avec lui, il n'y a rien à dire. Vous avez déjà vu... Écoutez, Glandu. N'ajoutez rien. Glandu. Ça nous change de Birkin. Hein. Oh, dites donc. Hey. À propos de Birkin, son ancien mari, Gainsbourg, là, il est extraordinaire. Vous avez son frangin, je ne sais pas comment il est, mais alors, les frangins des hautes personnalités, je ne sais pas ce qu'ils ont. Vous avez vu Léotard, le frère de Léotard, dans quel état il est. Et puis, le frère de Lang, là, il paraît qu'ils sont à couteau tiré avec son frère Jacques Lang, tout ça, oui. Plus on a un frère déglingué, plus on a de chances de faire une carrière politique. Le frère de Gainsbourg a ses chances en 88, à mon avis. Hein. Dites-moi, Pétula, vous êtes à Paris dans les semaines qui viennent? Plus ou moins,
Parce qu'à partir du 16 novembre, je vous propose de retrouver Glandu sur la scène du théâtre du Gymnase. Vous prenez pas froid, non? Non, ça va, ça va. Mon cher Glandu, voulez-vous avoir l'amabilité de raccompagner Pétula? Ben, plutôt deux fois qu'une, mais si, venez, ma petite. Allez, Pétula, faire des bonbons. Allez, viens, viens, voilà, allez. Glandu, le micro. Thierry. Merci beaucoup, Thierry. Michel, oui, la dernière émission. Oui, c'est ça. À samedi peut-être. On a eu un tout petit problème technique sur une...